Je vous ai fait une petite FAQ, donc vous m'avez posé plein de questions et je vais essayer d'y répondre. Pas forcément à toutes les questions, mais à certaines. Parce qu'il y a certaines questions que j'ai vues qui étaient vraiment très très indiscrètes. Donc forcément, je vais pas répondre à tout, je vous avoue. Bon, la question qui est la plus revenue forcément, c'est: as-tu un homme dans ta vie et es-tu célibataire, etc. Alors la réponse est... mais ça dépend laquelle c'est. Es-tu célibataire? Oui, je suis célibataire. Je n'ai personne dans ma vie. No ex, no next. Cosplay is the best. Le gars avec qui tu faisais des vidéos, il est passé où? Ben justement, on n'est plus ensemble, donc il ne reviendra pas sur les vidéos. Ma marque préférée de vêtements, ben en vrai, j'achète tout sur Shein, ou Bershka, ou Zara. Ce sont les trois seuls endroits en général où j'achète mes habits. Pourquoi tu as commencé à faire des vidéos? À la base, c'était sur Insta, j'ai commencé un petit peu avec mes entraînements. On va dire que ça me motivait parce que je recevais pas mal de commentaires, etc. Et ça me motivait à continuer. Donc voilà. T'es mariée? Ben non, je suis pas mariée. Tu fais quelle taille? Je fais 1m49. Je suis toute petite. Qu'est-ce qu'il faut faire pour te séduire? Être soi-même déjà. Et ensuite, franchement, je pourrais pas vous dire ce qu'il faut faire. Il faut qu'il y ait un truc, quoi, une alchimie, qu'il y ait du répondant. Tu es de quelle origine? Alors, il y a un peu beaucoup de choses, mais je suis maltaise, espagnole, italienne et pied noir d'Alger. Tu te vois où dans 10 ans? J'aurai quand même 36 ans. Je me vois dans une petite maison vers Bande des Mimosas ou enfin, vers le Lavandou ou un truc comme ça, parce que j'adore. Enfin, le Var, j'adore. Donc, je me vois là-bas. Après, je ne sais pas. Mais en tout cas, je me vois bien là-bas. C'est quoi ton objectif cheveux? Je vois qu'ils sont de plus en plus longs, c'est vrai. Là, j'aime bien comme ça. Après, c'est vrai, je les coupe pas, donc ils vont encore pousser. Mais en fait, comme ça, j'aime bien. J'ai pas vraiment d'objectif. Pourquoi gardes-tu les cheveux longs? Parce que j'aime bien, juste, il n'y a pas vraiment de raison. Juste, j'adore les cheveux longs, je trouve ça joli. Ça fait combien de temps que tu t'es pas coupé les cheveux? Bon, en fait, c'était il y a pas longtemps, parce que j'ai pris le ciseau, ça m'avait saoulé et j'ai coupé. C'était il y a 2 mois, je crois. Et bon, j'ai coupé. Quand je vous dis j'ai coupé ça. Donc en fait, j'ai rien coupé. Je voulais savoir si tu comptes rester dans le sud et faire du coaching vidéo toute ta vie. Bah après ça, je n'en sais rien, moi non plus. Donc on verra. On verra bien ce que l'avenir me réserve en fait. Après, ça te plaît de faire des vidéos? Bah oui, forcément, parce que sinon je le ferais pas. Je vais pas m'obliger à faire des vidéos si j'ai pas envie. Donc oui. Veux-tu avoir des enfants? La question. Non. En fait, je pense pas avoir l'instinct maternel. Et après, là aussi, je peux pas vous dire parce qu'en fait, on peut jamais dire jamais. Donc, je peux pas savoir si j'en aurai ou pas. Mais en tout cas, là, actuellement, j'ai pas envie d'en avoir. C'est pas trop chiant tous les messages qui te demandent de faire des cosplays légers? Non, parce qu'en soi, moi, je les détourne. Donc, je prends pas ça mal. Enfin, c'est. Je pense que maintenant, c'est plus de l'humour. Et même les gens, quand ils m'écrivent ça, c'est pas vraiment pour me voir en tenue légère. Mais c'est plus de l'humour venant des deux côtés, je pense. Quelles sont tes préférences physiques et personnalité? De base, j'avoue, j'aime les... tout ce qui est l'inverse de moi en fait. J'aime les blonds, yeux clairs, tatoués, grands. Je pense que là, j'en ai un petit peu marre de la blondeur. Et j'avoue qu'en fait, je m'en fous en fait. Blond ou brun, je m'en fous un peu. Mais par contre, oui, j'aime les grands, ça c'est sûr et certain. Pas forcément musclés, je m'en fous un petit peu, mais j'aime les bouilles d'ange. Qui donne envie de faire confiance alors qu'en fait ben, tu devrais pas faire confiance. Et c'est pas vraiment de la beauté mais plus du charme que j'aime. Je déteste les barbes, les moustaches, je déteste. La personnalité aussi. Au niveau de la personnalité, qu'est-ce que j'aime? Quelqu'un qui a l'humour, qui prend pas tout au premier degré, parce que sinon avec moi ça va être compliqué. Quelqu'un quand même d'assez romantique, attentionné, mais qui a du caractère. Tu pèses combien? Je fais 53 kilos. Peut-être que j'ai un peu perdu. C'est quoi ta passion? Bah, déjà la muscu, forcément. Et puis après, j'aime bien créer des choses, on va dire. Bah, d'ailleurs, avec les cosplays, je crée pas mal de choses. Mais c'est vrai que depuis que je suis petite, j'aime bien créer des choses avec mes mains. Combien de temps que tu fais de la salle? Ça fait 10, enfin non, pas 10 ans de salle. Ça fait 10 ans de muscu. Et en salle, j'ai commencé, je crois que j'avais 19 ans. Combien de petites amies? Non mais sérieux, vous posez des questions. Après je m'en fous, hein. 5 copains. T'as fait de la chirurgie? Ben oui. Je pense que ça se voit un petit peu. T'as fait quoi comme étude? J'ai fait un bac scientifique
Ensuite, je suis passée en PACES. Ensuite, j'ai fait une année de prépa scientifique. Et ensuite, j'ai fait un BPJS, AF. Et j'ai arrêté les études parce que ça m'avait saoulée. Ça a commencé les vidéos quand j'avais 17-18 ans, je pense, quand j'ai commencé. Enfin, quand j'ai commencé les vidéos, non. Quand j'ai commencé Instagram, donc c'était les photos à l'époque. Tu n'as pas peur que ton corps se déforme à force de porter tous les jours ton corset tous les jours? Non, j'ai pas peur que mon corps se déforme. Là, en plus, c'est la taille minimum. Donc, j'ai atteint le max, en fait, au niveau de ma taille. Et là, ça me plaît comme ça. Enfin, après, j'aimerais toujours plus, mais en fait, c'est pas possible. Comment arrives-tu à gérer ton influence? C'est même pas moi comment je gère, en fait. Comment je gère, ben, normalement, si je croise des gens qui me connaissent, ben, je leur parle, normal. On me demande des photos, je prends des photos. Il n'y a rien de fou, hein. Comment tu peux avoir d'aussi grosses formes? Chirurgie, muscu. Ben, ça. Ton plat préféré, les frites. J'adore les frites. C'est pas un plat entier, mais j'avoue que les frites, c'est trop bon. Ton exercice préféré? J'ai pas mon exercice préféré parce qu'en fait je le fais parce qu'il faut le faire, mais j'aime pas forcément le faire. C'est juste que bah, il faut le faire donc je le fais pour mes objectifs physiques. Est-ce que tu aimes les femmes? Pas de la façon dont tu le penses. Comment tu fais pour avoir un ventre si plat? Je fais très attention à mon alimentation et bah, je porte le corset donc voilà, c'est vraiment ce qui me... Bon, c'est pas ce qui me permet d'avoir le ventre plat, le corset. Parce que le corset, ça me permet juste d'avoir la taille marquée. Mais pour le ventre plat, c'est vraiment la diète. Quel corset conseilles-tu pour commencer? Ben, le même que moi en fait, hein, un corset en latex. Sinon, ça ne marche pas. Combien de temps minimum faut-il porter un corset pour avoir des résultats? Ben, au moins 1 heure par jour. Ça, c'est le minimum. Peux-tu nous parler de ton parcours sur YouTube depuis que tu as commencé? Ben, en fait, j'ai commencé il n'y a pas très longtemps sur YouTube. Je crois que ça fait 1 an. En fait, je voyais que sur YouTube, c'était pas trop ça. Et puis là, je vois que les cosplays, ça plaît. Donc, je me suis dit que j'allais un peu plus m'investir en sachant que ben, ça vous plaît. Donc, tant mieux. Ça me fait plaisir. As-tu des tatouages? Oui, j'ai un tatouage là. C'est celui pour mon chien qui n'est malheureusement plus là. C'est Cro-Blanc. Après, j'ai le petit cœur ici que j'ai en commun avec ma meilleure amie. J'en ai un sur le pied. C'est un œil. Que j'ai en commun avec ma mère. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. En tout cas, si vous avez d'autres questions, ben, n'hésitez pas. Et dans tous les cas, je referai une FAQ, je pense, bientôt.